Mesdames, Messieurs, bonjour. Ensemble, découvrons le menu de ce 13h au Bénin. Enquête sur ce que vos enfants mangent à l'école. Vous vous posez sans doute assez de questions. Dans quelles conditions les maisons sévissent à l'école? Quel est le suivi, l'ambiance de la récréation de vos enfants? Nous avons passé une demi-journée à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, aux côtés des écoliers. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, respect des couloirs de circulation. On en parle dans ce 13h au Bénin. Les engins à deux roues et trois roues de faible cylindre passent sur le trafic local, désormais utilisé comme piste cyclable. Cette mesure appliquée de force s'est révélée satisfaisante, mais de plus en plus, les usagers retournent sur la chaussée avec tous les risques que cela comporte. Et puis enfin, la recherche du bien-être des Béninois et d'un cadre de vie agréable a amené les parlementaires à voter la loi portant code de l'hygiène publique interdisant d'uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques et dans les places publiques. Seulement, ça reste une loi sans mesure d'application. À suivre en fin d'édition, le constat de l'absence des infrastructures pouvant accueillir les usagers pour la satisfaction de ces besoins vitaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 13h Bénin. Si vous nous rejoignez, il y a des questions que vous vous posez sans doute souvent. Que mangent vos enfants pendant la récréation une fois à l'école? Dans quelles conditions les mets qui leur sont servis à l'école sont-ils suivis? Dans quelle ambiance passe-t-il leur récréation? Préoccupation légitime auxquelles la rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée. Pour comprendre donc cela, une de nos équipes de reportage a passé une demi-journée à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, aux côtés des écoliers. Dans cette école, le directeur Richard Rondjor a mis tout un système en place pour permettre aux écoliers, petits comme grands, de pouvoir jouir de ce moment de pause. Après une demi-journée passée dans cette école, voici ce que nous propose Idrissou Boukari et Deron Pévi. Premier jour de la semaine à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou. Sur la cour de l'école, silence radio. Bonjour, messieurs. Dans les classes, écoliers et enseignants sont en pleine activité. Elle active le feu. Son ami Ayaba. Pendant ce temps, on aperçoit des dames faire leur entrée dans l'école, bras chargés comme la tête aussi. C'est en réalité elles qui vendent à manger aux enfants ici pendant la récréation. En attendant d'accueillir leurs jeunes clients, elles ont le devoir de mettre les lieux au propre. Après le nettoyage du réfectoire, il faut disposer les mets cuisinés aux écoliers ce jour. Sur les tables, les repas sont diversifiés. Un peu plus, les enfants aiment surtout la salade et le sandwich avec les macarons, les spaghettios, en fait. Mais à propos, ils viennent payer bien, ça va. Il y a, bon, à partir de 50 francs que je les vends, soit 15 francs et 100 francs. Avant le coup d'envoi de la récréation, la responsable chargée de la nutrition au niveau de l'école fait un tour au réfectoire. Sa mission, vérifier la qualité des mets qui seront servis aux enfants dans quelques minutes. Elle observe, questionne et goûte les plats. À la fin, elle donne son feu vert. S'il y a par exemple un mets qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, là, il n'y aura pas de vente de cette nourriture. Et c'est bien fait et les enfants peuvent manger. Donc si j'ai pu manger, et les enfants peuvent aussi en manger. Il n'y a pas de défaut. Oui, on peut lancer la récréation. Et la récréation va commencer un peu avant l'heure, conformément à la stratégie mise en place par l'école. Quelques minutes avant 10h15, ce sont les écoliers du CI et du CP qui ouvrent le bal. Ils sont les plus petits et les plus fragiles. La stratégie vise à éviter les bousculades des plus petits et leur permettre eux aussi de profiter de ce moment. Maintenant, on peut sonner la cloche pour annoncer la récréation. C'est au tour des plus grands de prendre une pause pour se ressourcer. Chacun a sa préférence. Elle donne-moi la papier peint.
à venir à l'école, à du mettre au pâté, manger la pâte. Le pain est là, manger la pâte est bon. Je mange pain parce que c'est doux. Je mange ma carrière. Sa maman, tu as préparé ça à la maison, à l'école. Pendant la récréation, j'ai mangé à Tassi et œufs. J'ai acheté pour 50 francs et je suis rassasié. Dans le rang des écoliers, on découvre des visiteurs. Ils sont des anciens apprenants de cette école et désormais élèves au CGB Gamé. Mais aux heures de la récréation, ils préfèrent revenir au bercail pour manger. Difficile pour eux de se séparer des mets qu'ils ont consommés ici pendant 6 ans. Le mets de cette école est bon. Je mange beaucoup et on me donne l'argent pour manger dans cette école. Quand j'étais dans cette école, je mangeais du riz et du pain. Quand j'étais au CM2, j'étais habitué de manger ici. C'était doux et c'est bon. J'achète à Tassi avec du pain. La récréation se déroule sous la supervision du maître de la semaine. Isolé et discret, il suit les mouvements de chacun et interpelle ceux qui s'adonnent aux jeux brutaux. Tout est bien organisé par ici. Le directeur profite bien de ce système qu'il a mis en place et qui lui évite des situations difficiles à gérer. Nous estimons qu'en faisant cela, les plus petits ont déjà le temps de prendre les plats, de se servir ou du moins de manger et d'être à l'aise, de pouvoir peut-être déjà se laver les mains, boire de l'eau sans être bousculé par les plus grands. Souvent, nous constatons qu'il y a ces bousculades autour des mets et par conséquent, ce n'est pas un bon spectacle, surtout que dans cette bousculade ou cette manière de faire, les enfants peuvent être lésés. Certains peuvent ne pas pouvoir être bien servis ou ne pas pouvoir bien manger. Et donc, notre stratégie consiste à mettre tous les enfants à l'aise pendant la récréation. À 10h30, la cloche sonne une seconde fois et c'est le retour des écoliers en classe. Abdoul Moukabi et ses camarades regagnent eux aussi leur collège en attendant de revenir sans doute le lendemain. En moins de 30 minutes donc, tous les enfants ont été servis et les cours peuvent se poursuivre. La récréation à l'école primaire publique Charles Guillaume de Cotonou, c'est aussi un moment d'expression de solidarité et de partage. Et puis nous espérons que cette ambiance est la même dans d'autres écoles. Alors, depuis quelques semaines, les prix des produits de grande consommation ont connu une flambée dans le pays. Cette hausse des prix a amené le gouvernement à prendre des mesures pour soulager les peines des populations. Et justement, pour constater de visu l'application de ces mesures, le directeur départemental de l'industrie et du commerce, Atakoua Donga, a effectué une descente inopinée sur le terrain. Ruffin Sarret, accompagné de ses collaborateurs, a sillonné les boutiques, dépôts de ciment et le marché central de Natitingou. Abdou Sabi Dressou, Alassane Aroulan pour le reportage. Au marché central de Natitingou ce lundi après-midi, le directeur départemental de l'industrie et du commerce, Atakoua Donga, en effectuant cette descente inopinée sur ce lieu d'échange commercial, Ruffin Sarret et ses collaborateurs veulent constater de visu l'application ou non des mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs. Une fois sur le marché, le constat est tout autre. Le prix du sac de riz de 50 kg varie entre 22 et 23 000 et le bidon d'huile végétale de 25 litres s'achète à 28 000 francs au mépris des prix fixés par l'État central. Le riz de 50 kg, il y en a pour 20 000, il y en a pour 21, il y en a pour 22, il y en a pour 23, ça dépend des qualités. Même depuis toujours, c'est comme ça le riz. Ça dépend de ce que la personne veut acheter. Le riz, c'est comme ça. Donc, actuellement, ici, il y a 22, 21 et 20. Le bidon d'huile, actuellement, ici, c'est à 28 000. Vos prix pour ce type de riz commencent à partir de 19 000. Vous n'êtes pas encore en règle. Donc, vous devez baisser très rapidement les prix pour commencer par les vendre dorénavant, à partir de maintenant. À partir de maintenant où nous vous parlons, à 18 450 francs. Pour permettre à tout le monde de pouvoir acheter facilement le riz. Bon, moi je voulais dire
ce problème n'est pas à notre niveau. Les raisons de cette spéculation qui s'observe sur le marché varient d'un revendeur à un autre. Il y a un problème que vous n'avez pas évoqué. Moi, je vais poser des questions sur ça. Je voulais venir même vous voir à propos de notre marché de Kassoua. Parce qu'on nous dit, les choses sont rentrées chez nous, on achète, on nous dit de dédouaner. Par exemple, avant, j'ai fait un dédouanement là. Quand j'ai calculé, par exemple, mon bénéfice, tout le bénéfice sur bagage est à 83 500. Mais dédouanement sur la voie, les dépenses que j'ai faites, le tout faisait 97 500. Actuellement, on a les anciens stocks qui restent. Mais si jusqu'à la semaine, si c'est fini, si on commandait le prix, c'est abaissé là-bas. Nous aussi, on va abaisser ici. Ça dépend de comment on a pris là-bas. Si on paye cher, on va venir marcher. Toutes ces raisons évoquées par les commerçants sont balayées du revers de la main par l'autorité départementale à charge du commerce dans la Takoura qui tient au respect strict des prix fixés par le gouvernement. Les femmes, tout à l'heure, lorsque nous étions au niveau de leur étalage, ont expliqué pour celles qui ont maintenu les prix encore majorés de 1000 francs environ, justifie cet état de choses par le fait que la douane, les frais de dédouanement sont encore élevés. Je pense que ce n'est pas une vraie raison. Les services douaniers au niveau des frontières sont instruits pour respecter la nouvelle tarification, la nouvelle grille pour ce qui concerne le paiement des frais de douane, ce qui se répercute forcément sur les prix qu'on doit pratiquer au consommateur final. Je pense que c'est du laxisme. Après le marché central et quelques boutiques de vente de divers, campent sur les différents points de vente de ciment de la ville. Portes hermétiquement fermées, girant introuvables, c'est le constat fait dans la plupart des dépôts de vente sillonnés dans la ville. Mais dans ce dépôt de vente de ciment, sur instruction du directeur départemental d'industrie et du commerce, le gérant a été sommé d'ouvrir les portes. Bien que le produit soit disponible, impossible d'avoir une idée du coût de la tonne et le facturier introuvable. Face à cette situation, le dépôt a été mis sous scellé conformément à la réglementation en vigueur. Nous venons de parcourir déjà 5 dépôts et nous les avons trouvés tous fermés. C'est ici que nous avons trouvé une dame qui était à côté donc du dépôt. Nous lui avons demandé d'ouvrir. Et quand elle a ouvert, nous avons trouvé, selon sa déclaration, nous avons vérifié à peu près 40 tonnes de ciment sont stockées là. Nous avons demandé le facturier pour voir le prix auquel le ciment a été acheté et la date à laquelle le produit a été acquis, pour savoir si c'est avant les mesures ou après les mesures. Nous n'avons pas pu entrer en possession des factures d'achat. Et puis, nulle part, ce n'est indiqué le prix de vente. Donc, voilà autant d'irrégularités que nous avons remarquées. Donc, sur la base de ces irrégularités que nous avons observées, nous avons scellé le magasin et les produits sont ainsi saisis et seront vendus au prix de 85 000 francs la tonne à la population. Loin de baisser la garde, le directeur à charge du commerce au plan départemental entend poursuivre ses opérations de contrôle jusqu'au respect strict des recommandations du gouvernement. Vous devez retourner à l'ancien prix. Et puis nous restons dans la Takoura. Le gouvernement veut donc sonner définitivement la fin des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Et pour ce faire, il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. Lancé donc le 23 décembre passé, ce projet vise à contribuer à l'amélioration donc des productions animales et à la gestion rationnelle des exploitations. Il a été donc présenté aux acteurs impliqués dans l'élevage et l'agriculture dans la Takoura. C'est au cours d'une séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux organisés à Natitengu que Xavier Zola espère en foncier à expliquer le bien fondé de cette initiative gouvernementale. Le gouvernement du président Talon opte pour une nouvelle pratique de l'élevage au Bénin. Voilà pourquoi il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procère. Un projet novateur dont les objectifs sont dévoilés aux acteurs de l'élevage et exploitants agricoles
Au cours de cette séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes, en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal, la délimitation, mais aussi et surtout la sécurisation de ces espaces pastoraux permet d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées lors de la transhumance. Il s'agit donc d'un défi majeur pour créer un climat propice aux activités économiques des populations agricoles, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser par le procès dans la durabilité. À travers ce projet dont la mise en œuvre a été actée le 23 décembre 2021, le gouvernement fait ainsi l'option de rompre avec la pratique ancienne de l'élevage en promouvant un modèle novateur de gestion des ressources pastorales. Cette solution trouvée par le gouvernement ne pourra être efficace ou efficiente si le gouvernement n'a pas l'adhésion autour du projet des différents acteurs principaux. Je vais parler ou je vais nommer les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet de standardisation est un projet développeur pour nos communes. Et c'est pourquoi nous acclamons et nous félicitons les acteurs pour leur souci à nous aider à régler tant nombre de problèmes que nous vivons. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, ce projet conjointement financé par l'État béninois et la BOAD couvre une période de 5 ans. Évaluation de base de la gestion des armes et munitions au niveau national, c'est l'objet de l'atelier organisé par la CEDEAO et le gouvernement sur la supervision des experts de l'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Les participants venus de plusieurs pays et les forces armées béninoises vont acquérir de nouvelles connaissances pour mieux gérer les armes et munitions de petit calibre. L'atelier se déroule du 28 au 1er avril 2022 à Cotonou. Clément Tchadé, Elvis Tonoukwa. L'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR, en collaboration avec la CEDEAO et le gouvernement béninois, organise cet atelier pour évaluer les politiques et gouvernance de contrôle des armes légères. Et pour ce faire, une équipe d'experts de l'UNIDIR est à Cotonou pour se pencher sur les résultats des stratégies mises en œuvre par les États afin de lutter contre la prolifération des armes et des munitions dans l'espace CEDEAO et le reste du continent africain. Vu les progrès enregistrés par le Bénin ces dernières années, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement a félicité le Bénin pour ses efforts consentis. Cette série de réunions consultatives est organisée sous la responsabilité du gouvernement du Bénin et plus précisément sous la direction de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et vise à fournir un espace de dialogue précieux entre acteurs nationaux et internationaux pour examiner ensemble les principaux défis, opportunités et options pour renforcer le contrôle sur les armes et munitions au Bénin. Au-delà du contrôle et de l'évaluation des instruments d'action, cet atelier est aussi le cadre pour les experts conviés de réfléchir sur les mesures préventives sur les armes et munitions dans les États. En effet, ces experts vont s'inspirer de l'expérience de la République du Bénin en termes de mise en œuvre des instruments juridiques internationaux et régionaux qui, à l'arrivée, ont contribué à réduire la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation abusive des armes légères de petit calibre. Mon deuxième appel consiste à demander à la Commission nationale de travailler davantage avec l'Assemblée nationale et d'associer davantage également la société civile dans les activités de la dite commission et à utiliser les canaux de la société civile pour la sensibilisation, le plaidoyer auprès des autres autorités et des populations sur les dangers de la détention illicite des armes. Au regard de la qualité des participants ici présents, je reste convaincu que vos travaux permettront d'aboutir à des pistes de solutions exploitables pour une meilleure gestion des armes et munitions en République du Bénin. Et je voudrais ici vous rassurer
de l'appropriation et du suivi qui seront faits des conclusions de cette évaluation. Par cette évaluation de la convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre, les experts entendent renforcer le dispositif de gestion des armes et des munitions, comme ce fut le cas dans les 8 États de l'organisation régionale. Au thème des 4 jours de travaux, la capacité existante et les domaines à améliorer seront identifiés, les approches de renforcement des instruments et les nouvelles procédures de gestion, de même que le renforcement de la coopération internationale. Je vous l'annonçais en titre, dans le souci de protéger les usagers en évitant les nombreux cas d'accidents observés dans le passé, le gouvernement du Bénin a décidé de ramener tous les engins à 2 roues et 3 roues de faible cylindre sur le trafic local désormais utilisé comme piste cyclable. Cette mesure, appliquée de force depuis des années avec la contribution de la police républicaine, s'est révélée satisfaisante. Les cas d'accidents entre motos et voitures, surtout les gros porteurs, ont sensiblement diminué dans les grandes villes comme Cotonou. Mais de plus en plus, les usagers retournent sur la chaussée avec tous les risques que cela comporte. Reportage de Ulrich Gaba, Henri Ganti. Le respect du couloir de circulation est l'une des règles prioritaires du code de la route. Dans les grandes villes du Bénin comme Cotonou, les engins à 2 et 3 roues sont sommés de circuler sur le trafic local. Une disposition prise par le gouvernement pour réduire un tant soit peu les collisions entre les motos et les voitures et surtout les gros porteurs. Des accidents pour la plupart mortels. Dans un premier temps, il y avait une bande cyclable qui était à l'extrémité droite de la chaussée. Et c'était des lignes discontinues qui séparaient cette partie-là. Mais les véhicules à 2 roues quittaient cette position et se mettaient carrément sur la chaussée, même à gauche, et se faufilaient dans le véhicule avec les risques que cela comporte. Et en ce moment, il y avait journalièrement des accidents. Pour ne pas dire plusieurs accidents en une seule journée, et souvent des accidents mortels. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'imposer ce couloir qui permet de sauvegarder les vies humaines. Cette mesure, bien qu'appliquée depuis près d'une dizaine d'années, continue d'enregistrer des cas de résistance dans le rang de certains motocyclistes indélicats. Ils ignorent volontairement les panneaux de signalisation et défient les véhicules à 4 roues et plus sur la chaussée. C'est seulement quand ils voient les agents de la police républicaine qu'ils détournent brusquement leur trajectoire. Les moins habiles subissent les conséquences de leur indiscipline. Ceux qui le font, c'est les 2 roues qui quittent le trafic local que nous appelons actuellement chez nous piste cyclable. Là, ils s'exposent dangereusement parce que les automobilistes ne s'attend plus à les recevoir, à les voir dans ce. Si ce tronçon. Et ils les surprennent. Et là, souvent, c'est des accidents mortels. Malgré la vigilance des policiers, beaucoup de motocyclistes peinent à s'inculquer l'autodiscipline. À peine ont-ils dépassé le poste de police qu'ils remontent sur la chaussée, fiers d'avoir nargué les hommes en uniforme. Mais ils oublient que c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Pire, les passagers remorqués sans casque sur la moto sont à la merci de tous les dangers qui peuvent en découler. Et dans le reste de ce trésor au Bénin, suite à un accident, là nous parlons de médecine traditionnelle ou bien d'autres incidents, plusieurs personnes se retrouvent avec une entorse, déboîtement ou une autre fracture. Le traitement prend non seulement du temps, mais ça va être onéreux avec parfois une incertitude dans la guérison. Dans la commune de Zakota à Tindi, plus précisément un savoir-faire endogène légué par les aïeux à leur descendance, existe et permet d'obtenir des résultats satisfaisants. Ce n'est pas de la magie, c'est du savoir-faire endogène. La famille Alain Clénon en est dépositaire. Elle traite depuis des générations différents cas de fractures, d'entorses et autres maux du genre. Le sujet a intéressé notre rédaction du bureau régional Canada 3 de Boïcan. Et voici le reportage. C'est un savoir-faire endogène vieux de plusieurs siècles. Il a été transmis de génération en génération et se perpétue encore aujourd'hui. Ces connaissances et pratiques de la tradition réussissent parfois là où même celles modernes et scientifiques manquent de résultats probants.
dans le village de Tendji à Zakota, des patients souffrant d'entorses, de déboîtements et de fractures à l'épaule, la jambe, le bras, la cuisse ou toute autre partie du corps se font soigner et obtiennent satisfaction grâce à des traitements traditionnels. J'ai eu un choc et malheureusement j'ai cassé une cuisse. C'est ma raison d'être ici. Sinon j'étais même à l'hôpital. J'ai fait quelques 3 jours là-bas. Mais j'aurais appris que ici c'est plus rapide que là-bas. Quoi. C'est ce qui m'a amené ici. On voit si dans le bois, ça va pour me piller à son milieu, il s'en est tout tôt, le coton dans le bois, il dort à ça quand il y a un thème. Il doit à ça au fil. Donc quand deux gamins, il y a mon sang fin mi. Vite là, quand t'as sous le confit, il y a assez vite sous le fiboton, fibot à dormir, donc il y a un thème. Et là, il y a un thème. On a un bon café, on a un bon son, Parfois, le traitement à l'hôpital ne réussit pas et on est obligé de venir ici. Donc, il vaut mieux directement se faire traiter ici. La guérison pour ces patients est assurée par des hommes et femmes d'une même famille. La quasi-totalité de la descendance à l'Inclénon possède ce don pour peu qu'ils respectent certaines règles et se rendent disponibles à apprendre auprès des géniteurs et anciens. Le début, ils ont touché avec de l'eau, avec des tisanes préparées. L'eau est chaude. Et ils touchent avec ça, ils touchent avec des pailles coupées. Ils touchent avec ça, tout touche. Et il y a quelque chose comme, dirais-je, et beurre de karité. Et ils passent le beurre de karité là. Et ils prennent le paille coupée là pour emballer jusqu'à un niveau donné. Et ils vont attacher ça. Après avoir attaché, et ils vont faire chose là, bander avec le bande. Avec bande blanc là, ils attachent ça. Quand on exerce ce savoir-faire, on ne mange pas salé le matin avant de démarrer. Très tôt, il faut chauffer les tisanes. Le traitement se fait selon le type et la forme de la fracture. Nous avons nos méthodes et nos instruments. Certains restent chez eux et nous allons leur administrer les soins. Quelle que soit la fracture, nous traitons tant que c'est encore possible. Nous avons eu à traiter des cas graves. À l'arrivée d'un parmi eux, il n'y avait plus d'espoir, mais nous avons réussi. Le traitement peut être administré à toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse. Il est en effet fait à base de décoction, de tisane et pommade de fabrication traditionnelle. La force spirituelle de la guérison est octroyée par l'ancêtre totémique Torio de la famille. L'histoire raconte qu'ils ont hérité du savoir-faire de leurs aïeux. Ces derniers auraient été emmenés pour servir le roi. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de gris-gris. C'est un héritage que nous perpétuons. Seuls les descendants de la famille Alinhleno pratiquent ce savoir. Nos filles mariées peuvent le faire, mais leurs enfants non. Les tisanes sont faites à base d'ingrédients divers. Immobilisés pendant 3, 4 ou 6 mois selon la gravité du mal, les patients sont hébergés par leurs soignants. Ils sont parfois plusieurs dans une même case. Ces conditions d'hébergement posent un problème d'hygiène. À ceci s'ajoutent les difficultés financières soulevées par la majorité des patients. Nous
Parfois, l'immobilisation est nécessaire pour accélérer la guérison. Comme c'est un don, nous ne taxons pas les patients. Nous avons besoin non seulement de salles, mais aussi de cannes et de ceintures diverses. Le traitement des diverses fractures réussies à Tenji vient une fois encore mettre l'accent sur la disponibilité de solutions traditionnelles efficaces à des problèmes sérieux. Face aux difficultés qui entravent la valorisation de ce savoir-faire endogène, les praticiens en appellent à l'accompagnement de personnes de bonne volonté ou des organisations non gouvernementales. Dans le cas présent, ces guérisseurs souhaitent la construction de salles d'hospitalisation dont la gestion et l'entretien seraient définis et confiés à un comité composé des membres issus de chacune des parties. Environnement pour finir, au Bénin, les autorités au plus haut niveau aspirent au bien-être des citoyens dans un environnement sain. Et pour ce faire, la loi portant code de l'hygiène publique a été votée au Parlement et interdisant donc d'uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques ou dans les espaces publics. Alors seulement aujourd'hui, dans les grandes villes de Cotonou par exemple, les infrastructures pouvant accueillir les usagers pour la satisfaction de ses besoins vitaux n'existent pas. À Siombon, Kayan Siombon, Rachidi Soubirou. À l'instar de la plupart des métropoles béninoises, Cotonou et Aboumé-Calavi ne disposent pas d'infrastructures. Douches, cabinets des hommes, urinoirs. Un constat clair au moment où le gouvernement vient de promulguer le code portant hygiène publique le 16 février 2022. Il est vrai que l'envie d'uriner ne prévient pas, mais ce n'est pas une raison pour le faire sur les places publiques. C'est une bonne chose, hein, parce qu'il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, les bonnes manières. Il faut que nous apprenions les bonnes manières. Mais le problème doit être résolu à l'amont, parce qu'il ne suffit pas de copier ce que nous avons vu ailleurs et de le transposer tout simplement chez nous, alors que nos réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, nous sommes au stade ici. Combien d'urinoirs vous avez? Ça, c'est des problèmes à régler à l'amont. Le fait d'uriner, c'est un besoin physiologique et ça peut prendre à n'importe quel moment. Selon Guy Wokou, enseignant-chercheur dans les universités béninoises, une autre forme de déviance se faisait jour que viendra freiner la loi. D'ailleurs, vous allez constater qu'il y a des gens qui ont déjà cette idée, qui ont ramené pratiquement ça dans leur habitude. Ils ont de belles toilettes, ils ont de bons WC chez eux. Mais ils préfèrent toujours sortir pour venir uriner dans la brousse. C'est de l'incivisme. Mais ce n'est rien d'autre que le fait que nous sommes restés au village. Vous savez qu'au village, toutes les parties, toutes les zones, et tous les endroits sont pratiquement avec de la végétation. C'est la brousse un peu partout. Je pense bien avoir l'ampleur que prend ce phénomène. Cette loi est bienvenue. Parce que c'est une remarque. En pleine rue, dans des grands boulevards, vous constatez des grandes personnes hein, sorties, ce qui fait la valeur de l'homme, homme petit tâche. Il sort, il se met vraiment à uriner devant tout le monde. Ça n'honore pas
et la ville de Cotonou n'est plus à ce niveau. Désormais, quiconque est surpris en train de satisfaire un petit besoin, uriner et déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques est passible de poursuites. Une fois que l'humain est à côté et que l'intéressé défèque ou bien urine à côté, on peut le verbaliser. Là, ça peut se comprendre. Mais les infrastructures adéquates qu'il faut à l'amont pour régler le problème ne sont pas disponibles. Et donc, ça veut dire quoi? Les gens vont se faire verbaliser à tort. Les gens vont se faire verbaliser parce que certainement, ils vont uriner comme d'habitude. Ils regardent à droite et à gauche et puis ils trouvent personne là. Ils urinent et ils s'en vont. Une mesure prise pour rendre le cadre de vie propre et sain, donc contre toute souillure. Pour nombre de personnes interrogées, c'est une disposition qui vient mettre fin aux déviances et comportements d'une autre époque. C'est pour l'assainissement du cadre de vie que la loi est votée et c'est une bonne chose. On ne peut pas parler de bonne santé sans assainir notre cadre de vie, sans assainir notre environnement. L'environnement, c'est vrai, c'est tout ce qui nous entoure. Mais est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez aller vous asseoir sur un tas d'ordures pour manger? Même le fou, quand il ramasse les déchets et autres, il quitte d'abord le tas d'ordures et va chercher un abri quelque part un peu propre pour s'asseoir. La loi a pris des dispositions pour que les services nécessaires soient offerts aux populations. L'article 11 du Code précise que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Mesdames et Messieurs, c'est donc la fin de ce 13 heures au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande vision de la soirée. Et puis juste après, retrouvez André Doussa et son équipe à 21h dans votre émission Le Talk Show, le grand canal. Il sera question du pain dans tous ses états. Merci donc de prendre ce rendez-vous. À très bientôt et portez-vous bien.